Alors, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes d'Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Dieu, les choses de la vie. Oh non, Dieu bon, Dieu bon. On a direct mardi. Bon, je vous préviens, je suis dans une zone extrêmement dangereuse. Préparez-vous. Depuis ce matin, je suis déjà à la septième coupure d'électricité. Donc, si ça se coupe, rendez-vous demain. Ça, c'est un mois. C'est ce mois-ci qui a vu mon jour. Qui a vu mon jour de naissance. Donc, mon cadeau que je dois vous donner là, c'est direct. Hier, demain, on avait direct. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, on n'a pas pu. Même maintenant, si ça se coupe, c'est pas. Si vous voyez le noir comme ça, moi, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque mystique, hein? Ça veut dire que ceux-là ont décidé ainsi. Mais c'est pas grave. Mercredi, on a direct. Jeudi, on a direct. Vendredi, on aura direct. Samedi, on a direct. Dimanche, on a direct. Non, de moi-ci. Parce que si je ne secoue pas là, si je ne secoue pas le cocotier là, t'as pas de noix de coco là, elle va pas tomber. Donc, je suis obligé de secouer. Il va doser. Voilà. Partageons le direct. Bon, entre-temps, on joue un peu de l'instrumental avec le grand Bois-Lotin, le poète. Ouais. Ayo. Ayo, Mbande. Oh. Témoignage. Regardez, regardez, regardez. Regardez, vous-même, regardez. Regardez la caisse. Dieu bon. Voilà la caisse. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mon fils. Non! Ayo Mbande, oh! Ouais! Longeni Dodi! Longeni Dodi! Asangombo à Longeni Dodi! Longeni Dodi! Et Masso! Ayo! Maman Nelly, oh! Ayo! Ayo Mbande, oh! Ayo Ache! Ayo Mbande, oh! Voilà, Dieu est bon, Dieu est bon. Je suis en train de partager, permettez-moi, pardon. Parce qu'il y a des Européens qui nous suivent désormais, qui me supplient, qui disent que papa Manou, vraiment, te dirais là, ah, de cette dirais où quand tu vois, tu ris. Même si tu as 1 million de problèmes, tu vas rire aussi. Ah, c'est tout, laissez-moi partager, pardon. Ayo Mbande, oh! Atie! Atie! Tout ça, mes patates là, ça ne prend pas 20 minutes. Voilà, j'ai juré de partager le direct. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Oui! J'ai des bonnes nouvelles! Aïe! Très bonnes nouvelles! Ils sont fatigués. Ayo! Voilà, je partage. Et je partage dans les différents groupes là. Le groupe là, on m'attend là-bas. Pardon, dans 2 minutes, je suis à vous. En tout cas, on en a pour 1 heure. Mbappé Myriam Makeba, on dirait qu'elle est connectée. La situation va changer. Vous êtes des enfants bénis. Voilà. Voilà. Ouais, faites-lui donc. Oh, portable, c'est la même. Hein. On dirait que c'est un portable qui est attaqué. Faites-lui, je vais parler aux élus de Dieu. Oh. Voilà là. Le groupe aussi ne finit pas. Dès janvier, nous allons changer de décor. Parce que d'aucuns disent, papa, il faut donner du contenu, il faut donner de la visibilité à tes directs. Moi, je suis humble. Même dans la boue, on fait direct. Ce qui importe, c'est ce qui sort. On dit, non, papa, il faut arranger. Tu sais, tu es notre papa. Quelqu'un dit, non, je vais prendre ça en charge. Il faut qu'on arrange ton bureau, les rideaux derrière, l'éclairage. Ah! Oh, non! Vraiment. Ah! Là, c'est compliqué, hein? Hey, tout ce confort là. Ah, c'est normal, hein? L'argent nous a pas.
L'argent nous appartient. C'est les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est tout. Je dis que tu connais Dieu et tu es dans... Ah, j'ai fini. Et il y en a encore. Permettez-moi dans 30 secondes de partager les derniers groupes. Hein. Ayon bande, oh. Ouais. Talaba cimetière, oh. Bon, je crois que j'en ai fini. Hein. Voilà, j'ai fini. Pour moi, ça ne dit pas, c'est fini. Bon, maintenant, j'éteins le portable. Bon, portable, tu allais jouer ton rôle. Ce pourquoi on t'avait acheté là, tu allais jouer ton rôle. Maintenant, il faut que je parle aux élus de Dieu. L'évangile des temps modernes en Guyane. Voilà. Ami, viens d'ici d'ailleurs. Bonsoir, je suis Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Guyane. Il fait chaud. Bon, actuellement, là, on s'habille un peu léger. Aïe. La chaleur avance. La chaleur avance. Vous savez, cette humanité partira. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Il y a un grand feu qui arrive. Et vous-même, vous voyez. Vous voyez, donc, ça va tout brûler, tout. Le désert approche. On n'y peut rien. On n'y pourra rien. Voilà. Regardez. Vous voyez cette très belle voiture. Ah, voilà. Vous voyez comment Dieu est bon? Voilà la vidéo. Ah! Oh, mon fils. Hey! Hein? Voilà. Hein? C'est ça la caisse là. Vous voyez? En fait, c'est un des miens qui m'écoute depuis pratiquement 6 mois. Donc voilà. Dieu lui a fait grâce, il vient de se doter d'une caisse, pas de n'importe quelle caisse. Il dit, voilà sur quoi nous avons causé il y a quelques semaines, parce qu'il m'a annoncé, papa, je vais acheter une voiture. Voilà ce que la divine nature commence à m'offrir, et ce n'est qu'un début. Il dit, papa, je viens de prendre cette voiture, qu'est-ce qu'il faut? C'est un enfant qui est intelligent et sage. Qu'est-ce qu'il faut, papa? Parce qu'il y a deux problèmes. Quand vous avez une voiture, il y a deux problèmes. C'est le métal, le fer. Et toutes choses dégagent une énergie. Donc, quand tu as une voiture comme celle-là, qu'est-ce qu'il faut? Deux choses. La première des choses, éviter un accident de circulation. Ça, c'est la première. Et la deuxième des choses, qu'on te vole ta voiture. Voilà les deux éléments sur lesquels je dois travailler pour lui dire, mon fils, fais ceci. Accident n'a qu'à être n'importe comment, ta voiture ne sera pas touchée. Si tu veux, ouvre tes portières, tu laisses, va dormir. Voleur ancré, il ne peut pas. C'est pas, enlève tout le système, les GPS, tout, enlève tout. Fais le rituel, on ne peut pas voler ta voiture. C'est ce pourquoi mon fils va me solliciter. Et il va envoyer un bon vin rouge pour qu'on verse sur la tête de ses ancêtres, afin que le Dieu de ses ancêtres puisse. Parce qu'il est à l'étranger. Il m'a dit, papa, quand je t'ai connu, je n'avais même pas un vélo. Ça fait au plus 8-9 mois. Même quand il veut manger, il me dit, papa, est-ce que le nourriture est bien pour moi? Je dis, quel est ton groupe sanguin? Et il dit, oh, j'ai dit, tu as que manger quoi? Il dit, papa, je prends les omelettes, après le pain, shawarma. J'ai dit, non, mon fils, c'est pas bon. Donc, sur tous les plans, il est calé. C'est ça, un fils. Il m'a honoré. Il dit, papa, j'aurais souhaité que tu sois là pour être la première personne que je vais conduire. Pas les voitures comme ça. J'ai bon. Parce que si tu pries un Dieu, si tu pries un Dieu, au bout d'un temps, tu n'as pas le résultat s'il y a deux problèmes. C'est que ta prière n'est pas bonne. Soit ta prière est bonne, mais tu n'as pas de foi. Parce que ce Dieu que nous cherchons dit, invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit, invoque-moi en mangeant ou invoque-moi en dansant. Invoque-moi. Est-ce que tu as ta prière d'invocation?
L'invoquer, ce n'est pas de dire, ah, papa, je t'invoque. Papa, je... Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les conditions sont réunies pour ton invocation. Invite me, comment je peux appeler ça en anglais? Invoke me, ou je ne sais pas. Invite me and answer you. On va se débrouiller en anglais. Invite me, invite-moi. Ou c'est invoke me, je ne sais pas. Ou c'est invocate, voilà. Ou invocate me. Voilà, si tu me voques, je te réponds. C'est ça. Il a invoqué et le Dieu de ses ancêtres a répondu. Est-ce que tu as invoqué Dieu? Aïe, l'histoire de cette sœur, oh, témoignage, oh. L'ignorance, c'est le but de nos directs. Déchirer le voile de l'ignorance, c'est ça. L'ignorance nous conduit aux souffrances les plus insupportables. C'est à cause de l'ignorance que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, dans la pauvreté, alors que nous sommes assis sur le diamant et riches. L'ignorance. Je vais déchirer le voile de l'ignorance dans ce direct. Nous en avons pour aujourd'hui, demain. C'est un challenge. Direct, sucré comme ça. C'est l'histoire d'une soeur qui me contacte, je crois qu'elle doit être en Allemagne. Parce que nous avons mis sur le marché le miel, voilà. Vous voyez, il y a MES là, vous voyez, MES, ça veut dire que miel pour la nourriture du bas. C'est pour les femmes, hein, pour les femmes. C'est avec ça que tu attrapes ton mari. Ah bon. Maintenant, il y a miel pour la bouche. Un miel pour la bouche. Quand tu dis, c'est ce qu'on fait. Donc, elle n'est même pas escanée. Elle passe par le canal d'une soeur. Elle dit, papa, j'ai besoin de ce miel-là. Parce que j'ai un procès sur le procès de ma vie. Il dit, aïe, tu es en allemand, moi, sur Camon, il va faire comment? Dieu, mais comme Dieu sait faire aussi ces choses, je lui demande, ton procès, c'est quand? Tu es scanné? Non. Elle dit, papa, je ne veux pas scanner. Mon problème, c'est que ce procès-là, je dois le gagner. Tu dois tout faire pour que je gagne ce procès. Comme tu as dit miel là, quand tu mets ça sur ta bouche, ce que tu dis, c'est ce qu'on fait, je commande. Elle a commandé. Par la grâce de Dieu, il y avait une soeur qui partait en France. Elle est partie, je crois, hier, lundi. Et je lui demande, ton procès, c'est quand? Nous sommes vers le premier du mois. Elle me dit, papa, non, le 30 même. Papa, le 30 du mois dernier. Papa, le procès, c'est le 6. Quand je regarde le calendrier, tellement qu'elle est même chromatisée. Quand je regarde le calendrier, le 6 tombe dimanche. C'est dimanche. C'est hier, le tel, le 7. Hier était le 7, lundi, le 7, aujourd'hui, le 8. J'ai dit, mais depuis quand, c'est toujours à cause du Covid, là. Les tribunaux ouvrent maintenant le dimanche. Je dis, papa, excuse-moi, ma tête ne tient plus. C'est le lundi. Mais il me faut avoir le miel, là. Lundi, dimanche, nuit. Peu importe, même si tu as envoyé ça n'importe où, je dois aller chercher. La soeur n'a pas pu voyager. J'ai dit, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une autre. Ça, c'était le plan A. Ma fille, dans Dieu, là, ces plans-là, il y en a au moins 1000. Il y a le plan A, plan B, plan C, D, E, F. C'est tout ça qu'on appelle la divine nature. Donc, comme le mien ne peut pas être là tant, ma fille, tu es découragée. Hey, papa, oh, le tribunal aura le procès aura lieu à 14. J'ai dit, mais quand elle écrit même les samedis, dimanche, je ne répondais même plus. Mais j'ai l'attitude de quelqu'un, parce que je connais déjà la suite. J'ai dit, ouais, ma fille, ne me fatigue pas. Oh, j'ai quoi faire? Hey, papa, tu vas me laisser. Le mien n'est pas encore arrivé. Lundi, là, il est 8 heures. Elle m'appelle, je ne décroche pas. Je vois l'appel, je ne décroche pas. Elle n'est pas scannée non plus. Ah, c'est chaud sur elle. Maintenant, vers 10h, 9h30, 10h, maintenant, je laisse les messages. J'ai dit, ma fille, ton tribunal à 14h. Tout ce jour, première des choses, ce jour, sur tes chaussures. La chaussure que tu vas porter ce jour-là. Voilà comment tu vas faire avant d'aller au tribunal. As-tu compris? Oui. Maintenant, va dans un supermarché, cherche un fruit. C'est un fruit qui a des graines. Si tu couvres ce fruit-là, tu as gagné ton procès. Quand tu couvres ce fruit, rentre chez toi, ouvre le fruit, prends 5 graines de ce fruit-là, mets dans ta poche droite. Si tu as porté un pantalon, dans ta poche droite, mets. Si c'est une jupe, poche droite, mets. Si c'est une chemise en haut, 5 graines. Voilà, voilà au tribunal. Elle dit, papa, je suis... Non! C'est pour ça que tu es notre papa. Arrivé au tribunal, hey! Les plaignants sont versés.
C'est maintenant le procureur qui faisait son parallèle. Le procureur est devenu son avocat. Et quand ils sont, tous, maintenant sont en train même de lui demander pardon, pardon, pardon. Tu sais que vraiment on ne savait pas, on veut que tout soit résolu à l'amiable, et tout. Elle-même, elle rit, elle rit. Pendant ce temps, moi, je vais à mes occupations. Maintenant, dès qu'elle a fini, dans sa voiture, comment elle me laissait le Dieu. Oh, papa, oh, je ne te dis pas. Eh, Dieu, tu es bon, papa. Tout s'est bien passé. Tous les plaignants. J'ai dit, elle avait pas moins de 22 plaignants. Tous. Même langage, même bouche. Oh non, 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 on retire notre plainte. On retire, non. On annule tout. On veut qu'on soit encore comme avant. En Europe, hein, ce n'est pas les histoires d'ici. Parce que c'est ici, vous avez dit que c'est. Ben là-bas, il n'y a pas corruption. Les juges ne sont pas corrompus. Hein. Le procureur même est devenu son avocat. Elle n'a pas d'avocat, elle a Dieu. Elle dit, papa, wouhou. Donc, si le mien vient, c'est le. J'ai dit, si le mien vient, c'est le feu. C'est de ça qu'il est question. Je suis content comme n'est pas permis. Oh Dieu. Dieu, tu es bon. Autre témoin, c'est l'histoire de sa soeur. Et elle l'a abandonnée depuis. J'ai parlé de la cannelle et comment il faut faire avec les chaussures. Écris 21 fois le nom de l'ex. Tu mets, tu portes. S'il n'y a pas de suite, dis papa Manou, tu es un menteur. C'est de ça qu'il s'agit. Elle m'envoie un message. Oh Dieu, aujourd'hui, hey, papa, oh, je ne te dis pas. Il m'avait bloqué partout, Facebook bloqué. Dès que j'ai fait ça, quelques jours après, il m'a débloqué. Je vais te voir, je pense que ce week-end, on s'en sort. Moi, je descends. Tu cherches une femme. Tu es mort. Hé, hey, tu es mort. Tu vas payer préjudice là. Donc, ami mien d'ici, d'ailleurs, tout pouvoir vous a été donné. Si tu souffres, c'est parce que tu veux. Mais, depuis 2 jours, je ne suis pas content. Je suis déchargé. Parce qu'il y a des cas et des cas. C'est l'histoire d'une soeur, elle est au Togo. Marie de nuit, là. On sait là où Marie de nuit travaille. Mais pour elle, c'est dans son anus. Excusez-moi du mot. Les photos, mais je ne peux pas parler. Elle me dit, papa, je saigne. Marie de nuit a pris possession de ma vie. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ouais. Oh, ça, c'est mon domaine de prédit. Je ne sais pas, c'est mon domaine où je me sens à l'aise. Histoire de mari de nuit, femme de nuit. J'ai dit, je te donne 4 jours. Eh Dieu, eh Dieu, c'est quoi non? Là où il faut même là, si tu fais là-bas, on peut comprendre. Tu es laisse là-bas maintenant, c'est sodomisé, mari de nuit qui te sodomise. Elle a des écoulements. C'est quoi ça? La faute est à qui? Parce que quand tu dors, tu oublies de fermer tes portes spirituelles. On va te prendre pour jouer, pour faire ping-pong. Il a fini en haut, il finit en bas, il prend en haut, après il prend même tes enfants. Ta demeure devient leur lieu de rassemblement, ça devient leur aéroport. C'est là-bas où ils viennent, ils atterrissent pour eux sur le chef. C'est-à-dire, c'est là-bas où tous les avions mystiques viennent atterrir chez toi. Maintenant, le commandant dit, bon, toi, tu vas aller à gauche, toi, tu vas aller attaquer Jean-Pierre, toi, tu vas attaquer Mado, toi, tu vas aller chez François, parce que ta maison est devenue l'aéroport. C'est fini, ça. C'est une histoire close. Le 31 décembre, c'est un engagement que vous et moi. Si tu connais ton sorcier, quelqu'un qui est dans ta vie qui te fatigue, je n'ai pas besoin si tu es scanné ou pas. C'est une déclaration de guerre ouverte. Après le direct, tu écris, papa Manou, voici mon problème. J'ai quelqu'un qui est mon sorcier. Je ne veux pas que le 1er janvier, là, je le trouve en vie. Parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, que je n'ai pas pu avoir, maladie, je demande que l'avoir, on ne m'a jamais accepté. Tu vois souvent les jeunes garçons, il est là pour reconnaître qu'un garçon, un jeune garçon est envoûté. Regarde même sa tête. Il y a des jeunes, tu vois, il a chevelu comme ça, po. On dirait pas, il n'est jamais entré dedans. Chevelu n'est ni noir, ni blanc. Il est comme ça, bizarre. Dès quand je te vois, je te dis, mon frère, les couches de nuit sont. C'est-à-dire que lui, là, il a envoûté jusqu'à ses pas bon. Quand il mange même dans la nuit, il mange, mais il lave ses doigts. Envoûté jusqu'à ses pas bon. Voilà les signes. Tout ça, c'est fini. Donc, vous allez prendre cet engagement. Ton rôle est de m'écrire. Papa Manou, si c'est ton ex, si c'est une maîtresse, que tu connais son identité,
et que tu reconnais que c'est celle-là qui est à l'origine de tous tes déboires, de tous tes problèmes, les pertes d'argent, tu n'as pas de stabilité, ça te crouble. Dès lors qu'on sent que tu as un billet de 10 000 francs, on t'envoie la maladie de 100 000. Tu m'écris, je vais te dire ce qu'il faut faire. Si dans 21 jours, tu n'entends pas les cris, les pleurs venant de cette famille ou d'elle, quand je ferai un direct, dit Manou de la vie, vous êtes menteur. C'est gratuit. Parce que la divine nature nous donne ça gratuitement. On va vous donner ça gratuitement. Mais le scanner spirituel est payant, hein. Parce que je fouille dans les ancrages, je fouille dans les entrailles de ta vie pour sortir ce qui est meilleur pour toi et te donner. Donc c'est payant. Il ne faut pas venir me dire que, papa Manon, on ne peut pas discuter. Quand vous achetez vos mèches, là, vous ne discutez pas. On dit, mais là, ça fait 800 euros, vous donnez cash. Parce qu'après, vous allez dire, vous donnez, je ne sais pas les mettre 800 euros. Hein? Tu as vu, là? Je ne sais pas les mettre. Maintenant, quand ils font des travaux spirituels, vous croyez que nous, là, c'est quelque chose de bonjour. Papa, on ne peut pas enlever un peu. Quand tu dis ça, je te bloque en même temps. Parce que si tu n'es pas prêt, ne m'appelle pas pour le scanner spirituel. Appelle-moi pour d'autres choses. Non, disons-nous la vérité. Alors, c'est important. Voilà. Non, non, non. On ne peut pas entrer dans la nouvelle année avec le même statut. Ça doit changer. C'est quoi? Eux, ils ont peur de vous. Voilà pourquoi ils viennent vous attaquer la nuit. Ils ne viennent pas le jour. Parce qu'ils savent que toi, là, tu viens le jour, là, ben, tu vas le finir. Donc, c'est des petits, c'est des peureux, hein, des poltrons, hein, qui viennent maintenant vous fatiguer, tout et tout. Ami bien d'ici, d'ailleurs, nous allons déchirer le voile de l'ignorance parce que c'est important. Je vais parler de quelque chose qui, d'après la mythologie égyptienne, c'est quelque chose de tellement, tellement, je vous dirais, tellement capital que les Égyptiens considéraient la chose comme un don, n'est-ce pas, de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme une offrande de grande valeur que Dieu, hein, une offrande que Dieu a mise à la disposition, n'est-ce pas, des hommes. C'est-à-dire, l'odeur de cette chose est tellement léger et subtil que ça fait trembler le temple, n'est-ce pas, de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on a caché depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi nous souffrons. Nous souffrons parce qu'on ne nous a pas donné la vraie vérité, la vraie information. On est venu nous dire que non, prier avec la bougie, c'est pas bien. Si tu pries avec la bougie, c'est pas bon. C'est satanique. Et il ne faut pas aller visiter les clans de tes parents. C'est pas bon, c'est pas biblique. C'est quelle information celle-là? Toi, tu mets ça dans la tête. Non, on a dit que mes ancêtres là-haut, je ne veux pas la vie. Mais là, quand tu as l'argent, tu pars en Israël voir la tombe de Jésus. Ah, Yako, Asia, quand tu as l'argent, tu payes billet d'avion, aller-retour, 500 000. Tu payes hôtel, tu payes, prends visa, tu payes séjour pour aller maintenant. On dit, voici la tombe de Jésus, et tu es sur ça, tu prends les selfies. La tombe de ton grand-père, de ta grand-mère qui est là, 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 au village, là. Tu n'es jamais parti pour dire. Et tu sais quel Dieu même. C'est quel Dieu tu cherches? Ceux par qui tu es venu au monde là, tu les laisses pour aller chercher quelqu'un que toi-même tu ne sais pas. Son histoire même là est compliquée. Où on a? Où on va où? Quand on dit ça, non, allez, va voir le clan de ton père. C'est pas biblique. Oh. La Bible a dit que oh. C'est pas biblique. C'est quoi cette histoire là même? C'est quoi ça là? Voilà comment on est derrière. On n'évolue pas. Notre vie ne change pas. Parce que nous sommes beaucoup plus religieux que spirituels. Le but de nos directs, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Amen, bien dit d'ailleurs. C'est le seul direct quand tu peux écouter papa, père, que la maman, elle a les enfants. Le cœur de papa et de maman ne bat pas. Ne bat pas parce que tout simplement, c'est que ce qui sort de la bouche de ce monsieur, ça ne peut pas être compromettant pour l'éducation de ses enfants, de leurs enfants. Il dit, écoutez, le monsieur là. Hein? Ah, c'est quelque chose qu'on utilise pour l'accompagnement de nos prières. Même quand vous faites des offrandes, des funérailles, des cérémonies officielles, à l'époque, sans la chose, on ne peut pas introniser un pharaon. C'est tellement précieux. Même les prêtres dans les temples utilisaient la chose. Pour entrer dans l'univers sacré, n'est-ce pas, de Dieu. S'il n'y a pas ces choses, ce n'est pas possible. Les gens sont venus, ils ont fermé la chose, ils ont fermé, fermé, fermé.
Je vais me référer à un passage biblique, parce que quand tu ne fais pas des références, quand tu parles non, généralement aux chrétiens, si tu ne dis pas, va dans ta Bible, là, la Bible que tu vois, là, ouvre telle partie. Là. L'Exode, chapitre 30, verset 34. Le Seigneur a dit à Moïse, le Père Moïse, Moses, Papa Moïse, Dieu lui a dit, prends des aromates, prends du staté, prends de l'onis, prends du galbanum, prends des aromates et de l'encens raffiné en partie égale. Vous avez vu tous les ingrédients que j'ai cités là, je donne le nom. Prends l'onis, prends les aromates, prends ceci. Maintenant, sur un nom, on dit encens raffiné. De ces choses, je parle là. On dit quand les mages ont vu la position du ciel, les étoiles, ils ont dit qu'il y a un roi qui est né quelque part. Mage, ça vient de magie. C'est écrit dans la Bible. Hein? Pour vous dire que la Bible est un livre qu'on a écrit, on a fermé les cours. On a fermé. Parce que si tu n'es pas un initié, tu ne peux pas comprendre ce livre-là. Mais beaucoup lisent ça comme une lettre qui vient de la poste, tu as lu, oui, bonjour, Manoua dirait le soir à 20h, ah oui, c'est tout. Si tu n'es pas un initié, tu ne pourras jamais comprendre un livre saint. Mais si tu n'es pas initié à la spiritualité africaine, tu ne comprendras pas la valeur et l'importance de ce culte, n'est-ce pas, des crânes. Tu ne peux pas. Parce que tu n'es pas un initié, tu ne peux pas comprendre les traditions africaines. Alors, les mages ont fait quoi? Ils ont offert à l'enfant Jésus trois choses. Les trois choses, je les cite. Il y avait l'or qui symbolise le pouvoir, qui symbolise en quelque sorte la richesse. Il y a un peuple, les Ashanti, les Baoulés en Côte d'Ivoire, il est strictement interdit de voler l'or. L'or là, on ne vole pas l'or. Là-bas, si tu voles l'or, tu vas mourir. Et d'une mort accidentelle. C'est comme ça la chose là. Ça ne se discute pas. Et c'est le même or qui est partout. Parce qu'il n'y a pas... C'est vrai qu'ils ont un peu l'or. L'or de l'Afrique de l'Ouest est un peu différent de ce que nous utilisons en Afrique centrale. L'or est trop différent même. Mais tout ça, c'est l'or. On ne vole pas l'or. Si tu viens, tu es un braqueur, tu arrives chez quelqu'un, les bijoux en or, mon frère, il ne faut pas toucher. Laisse ça. Ou bien, même les gars qui viennent là, qui arrachent les chaînes, tout chaînes en or. Regardez comment il meurt. Soit il meurt, c'est une moto qui l'a tué. Il meurt toujours, il y a une fusion de sang, d'une mort accidentelle. On ne vole pas l'or. L'or, on ne vole pas. Et vous voyez, les chefs en Afrique, de l'heure, quand ils portent ça, l'or est versé comme ça. Waouh, il marche. C'est pas là, on sent l'autorité. On sent le pouvoir. C'est ça qu'on a remis à l'enfant Jésus. Première des choses, c'était l'or. Deuxième des choses, c'était quoi? C'était quoi? La myrrhe. J'ai tout ça là. La myrrhe. Vous connaissez tous la myrrhe. Je dois avoir même quelques grammes sur moi là. La myrrhe. Oh bon, je ne l'ai pas. La myrrhe. Vous connaissez tous la myrrhe. Maintenant, la troisième chose, on a dit un encens. On n'a pas donné le nom. Allez-y, c'est écrit dans la Bible. Hein? L'ensemble, on n'a pas défini. Mais c'est quelque chose qu'on ne définit pas. Depuis le début là. Et cette même chose là, dans la Bible, on cite ça 25 fois. Mais on n'a jamais donné le nom. Parce que c'est un mystère. Je vais vous parler de cela. Vous savez, quand Adam a eu l'autorisation, n'est-ce pas, de sortir de l'Éden. Je l'ai toujours dit dans mes directs précédents, le nom Adam et Ève, c'est un nom pour désigner l'ensemble des hommes qui vivaient à cette époque-là. Ève est l'ensemble des femmes qui vivaient à cette époque. C'est pourquoi je dis, on ne t'explique pas la chose, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'on dit, non, les enfants d'Adam et Ève, après, un est parti dans une contrée là-bas rencontrer une femme. Si c'est les premiers hommes, les enfants là sortent d'où? Les femmes qu'ils ont rencontrées sortent d'où?
C'est parce que les gens n'ont jamais compris. C'est pourquoi je dis, c'est fermé, hermétiquement fermé. Si tu n'es pas un initié, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Allez-y dans les églises, écoutez la parole sur le même verset. 1000 pasteurs vont dire ce qu'ils veulent. Non, il avait dit ceci, marcher sur l'eau, Moïse a fendu la mer, tout, tout. Non, c'est des allégories, c'est des. Je peux dire, c'est des codes. Non, mais moi, mon but n'est pas de vous expliquer tout ça. Quand je peux, j'explique et on continue. Dieu a donné l'autorisation à Adam de sortir de l'Éden avec cette chose-là. Mais curieusement, les gens n'utilisent pas cette chose. Donc, c'est une chose, quand tu as ça sur toi, ami vient d'ici d'ailleurs, ta vie ne peut plus. Il y a des choses qui ne peuvent plus parce que c'est quelque chose de tellement qui permet des voyages astraux, qui permet même de méditer, qui permet même d'avoir des visions, qui permet même de faire certains exercices magiques, qui permet même, n'est-ce pas, d'augmenter votre niveau vibratoire, votre fréquence vibratoire. C'est quelque chose, quand c'est à la maison, tu brûles ça, c'est là, là. Tu dois même, tu sens que le chez toi, il y a une différence. Et on peut le brûler, ça ancre dans la composition de l'enfant de pleine lune dont nous avons mis sur le marché. Ça coûte 25 000, hein? L'encens de pleine lune. Ne m'appelez pas pour dire, papa Manou, j'ai mis fort 2 000. 25 000 en euros, c'est quoi? C'est 40 euros, quelque chose comme ça. Ça coûte 25 000. Parce que cette chose, elle est dedans et on a mélangé d'autres choses dedans. Tu ne peux pas l'utiliser, il n'y a pas quelque chose dans ta vie. Il n'y a pas un changement. L'histoire de cette femme qui a utilisé, elle part. Hey, Marie, ton témoignage, j'ai eu la chair de poule. En ces temps difficiles, qui va te prêter 20 000 francs? Même 50 000. Elle dit, papa, au soir de la pleine lune, quand j'ai fini le lendemain matin, je suis allé demander un prêt d'argent de 800 000 francs, on m'a donné 1 000 000. Parce que le voile, ça l'a nettoyé, c'est la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Pourquoi tu ne profites pas de la terre, des mystères de la terre, des moments où tu vas même au désert, là où il y a la terre, tu frappes tes mains, tes pieds, tu dis, terre, absorbe toutes les négativités qui sont dans ma vie. Parce que la terre te coûte. Et si c'est même encore la terre de tes ancêtres, c'est même encore, ça va très vite. Dans l'eau, tu dis l'eau, tu dois me laver, tu sens comment l'eau est en train d'enlever. Voilà pourquoi on va à la plage. Vous allez la faire, vous nager. Chérie, femme à servir. Non, 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 non. Dieu a créé tout ça pour votre élévation spirituelle. Sinon, il n'avait pas le faire. Les arbres, tu es tout. Est-ce que tu as des moments, dimanche, tu vas dans la forêt, tu restes pour écouter le son des oiseaux, pour écouter comment les plantes passent, parlent entre elles? Non, quand vous avez un petit temps, c'est d'aller dans les boîtes de nuit boire. Ah, mais la vie est un choix, hein? La vie est un choix. Cette chose, elle est précieuse. Mais j'ai décidé de parler. Vous voyez, on a fermé. Hein? On n'a pas parlé de ça. On ne cite pas son nom. La chose est à la base de beaucoup d'encens. Mais combien de chrétiens? Parce que l'Afrique contient, si l'Afrique, nous avons 1 milliard. Hein, nous, disons 1 milliard, c'est beaucoup. Prenons un exemple. S'il y a 1 000 Africains, 800 sont chrétiens. Maintenant, quand tu dis prie avec la bougie, non, ce n'est pas biblique. Brûle les encens, non, 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 ce n'est pas biblique. Mais finalement, on ne sait pas. Voilà pourquoi nous sommes en arrière. Il faut ce combat-là. Quelqu'un dit non, papa, il ne faut pas parler. Je dois parler. Parce que c'est là-bas le problème. L'ignorance commence là-bas. De vous faire croire qu'on ne doit pas prier, on ne va pas brûler les encens, on ne va pas faire ceci. Je dis non. C'est par là qu'il faut commencer. Le combat, là, le vrai combat spirituel, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Lorsqu'il est déchiré, tu entres en contact avec ta divine nature et tu cherches maintenant à entrer en contact avec ton Dieu qui est en toi, qui te dit, invoque-moi, je vais te répondre. Il est en toi. Il est en toi. Si tu le cherches hors de toi, tu ne le trouveras jamais. Parce qu'il est en toi. Oui. Alors, vous voyez, ami bien d'ici d'ailleurs, la chose, vous avez entendu parler plusieurs fois, beaucoup connaissent ces choses, mais ils n'ont jamais compris le mystère de cette chose-là. Et j'ai l'insigne honneur de vous dévoiler la chose et que cette chose ne vous manque plus jamais.
Brûlez votre maison matin, midi, soir de cette chose. Ça vous apportera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même des malédictions. Même des malédictions. On utilise la chose pour enlever, pour briser des liens de malédiction. Toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées dans ta vie, la chose est la brise de ça. J'ai l'honneur, l'insigne honneur de vous parler de l'Oliban. L'Oliban, ami bien dit, c'est d'ailleurs, ça ne coûte pas cher. 500 francs, tu peux avoir un morceau. 1000 francs, tu peux en avoir. Souvent, vous avez vos frères et sœurs qui viennent en Afrique. Au lieu de leur demander, garde-moi l'ondolais, hein? Garde-moi les, c'est pas, les plantains choux, hein? Garde-moi le coq. Hein? Dites-lui de te garder, dites de vous garder l'Oliban. Ça va vous aider incroyablement. C'est versé, même pour 100 francs, il y en a. Vous brûlez ça de temps en temps dans votre maison. On a caché ça. Et quand on parle de l'encens, on ne donne pas son nom. On dit encens raffiné. Dans la Bible, 25 fois on parle de ça. Quand Dieu parle à Moïse, il lui parle de cet encens-là, le Liban. Par la grâce de Dieu, avec l'aide des uns et des autres, nous allons ouvrir une boutique ésotérique de vente, n'est-ce pas, des encens et tout et tout. 2021 sera une année où on pourra couvrir un peu de tout. Les pontificats, le bois de santal, le dragon, un peu de tout. La mythe, tout. Le Liban, le benjoin, tous ces encens-là. Même des huiles essentielles, tout doucement. La sauce, tout ça là, nous aurons. Quand tu rentres, tu viens, tu commandes, on te donne ta part. Parce que nous avons pu constater une ville, une capitale économique comme Douala, on compte les boutiques ésotériques. Ça n'existe pas. Vous voyez à quel niveau la dimension spirituelle d'un peuple, on peut lire pour comprendre la dimension spirituelle d'un peuple. Il n'y a pas une boutique où on vend les encens. Le pontificat, les ceci. Si ce n'est pas des femmes béninoises, tout et tout, qui sont là, parfois c'est des trucs trafiqués, il n'y a pas du vrai. Boutique ésotérique, tu as, il y a des pentacles, on peut trouver, tu peux trouver, je ne sais pas, la croix, je ne sais pas, l'étoile du roi Salomon, tu trouves l'étoile de David, tu trouves ceci, toutes ces choses-là. Mais là, d'aucuns disent non, ce n'est pas bien, c'est rosicrucien. Tu n'es ni rosicrucien, tu n'es ni ceci. Aïe! Je suis content. Ah, une de mes filles, papa, elle me dit, vendredi, ou plutôt vendredi, papa, je vais t'envoyer quelque chose, tu vas faire un rituel pour moi, mon nom. Parce que je loue l'Éternel chaque jour. Je bénis ce jour, j'ai fait ta rencontre, papa. Parce que ma vie a changé. Avant, quand elle sort, elle est dans le métro. Quand elle arrive, le voisin, il y a un siège vide. Elle s'assoit, le voisin de Saint-Tite. Parce qu'elle sent la pourriture. Aujourd'hui, même quand elle est debout, les gens se déplacent pour dire, viens t'asseoir. Ah oui, c'est là, elle dit, voilà les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Elle dit, papa, je dois ça à toi. C'est grâce à toi. Et l'origine, une de ses tantes, pas de tantes, où c'est maracle, tout et tout, depuis l'enfance. Vous savez, il y a des gens qu'on a déjà capté leur énergie. Ce n'est pas le fait de voyager aller aux États-Unis qui est un problème. C'est comme le GPS. On a capté ton énergie. Ton énergie est là. Tu peux arriver dans une maison, les lumières s'éteignent, ça s'allume, tu tends les bruits, la cuisine, comme si quelqu'un préparait. Tu dis non, la maison n'est pas bonne. Tu changes de maison, tu vas, ça sera la même chose. Pourquoi? Parce que tu es localisable. Et qu'est-ce que le spiritualiste doit faire? C'est de couper. C'est comme le réseau. Tu es sur le réseau. Partout où tu pars, puisqu'on te tient. Hein, ils sont leur GPS. Et ils s'ennuient, ils croient que quoi? Kaka. Donc, on te tient, on te trouble. Qu'est-ce qu'il faut briser? Et tu vas briser comment tu es aux États-Unis? Ça se passe en Afrique. C'est le fort des Africains. Gâté pour rien. Pour rien. Parce qu'on a vu cet enfant, il est né. Ils ont vu que l'enfant est né sous une très bonne étoile. Il faut gâter l'enfant. On gâte l'enfant. Pour finir, l'enfant devient toc-toc. 30 ans, 40 ans, personne ne t'a jamais dit tu es belle. Aujourd'hui, les gens lui disent, tu es belle. Il dit, hey, papa, c'est grâce à toi. Et comme la chose est maintenant coupée, maintenant les concernés maintenant appellent.
elle reçoit des appels d'Afrique. J'ai dit, tu déclos, tu es mort. Change même de numéro, ma fille. Il dit, papa, je vais le faire. Mais je vais d'abord sélectionner des contacts vrais et je ferme ce numéro-là. Je casse la puce. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant, quand on cherche pour t'allumer, c'est comme le direct. Vous mettez, ça brouille. On ne voit plus Manu de la vie. L'image ne donne plus. Ah, mais c'est comment? Ah, ils envoient le missile, ça rentre. Ah, c'est quoi la fille là? C'est Libéka. Oui, elle est morte. Maintenant, il faut appeler pour se rassurer. Maintenant, ton allô, dans l'eau, on peut également te capter parce que ta voix est une porte spirituelle. Donc, ne répondez pas au coup de fil, n'importe quoi. Allô? Oui, on dit quoi? Ton oui, on capte l'énergie. Parce que il y a la tonalité de ta voix. Allô? Bonjour? On capte. C'est comme on peut prendre dans la bouteille pour aller parfaire. Comme dans vos photos, c'est chargé de votre énergie vitale. Donc ne décroche pas parce que tu n'es pas encore un stade où tu peux dire oui, allô. Oui, c'est moi, Manu de la vie. Il va faire ça, il ne voit rien. Quand il va vouloir faire, il voit, ça ne donne rien. Et tes petits astuces, l'ail dans ta bouche, toujours l'ail, 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 l'ail. L'ail, même le coronavirus n'aime pas l'ail. L'ail dans ta bouche, toujours. T'es là. La mémoire dit, c'est de ça qu'il s'agit. Changer, changer. Ma soeur, ma fille, le 1er janvier, cette femme-là ne sera plus en vie. Vendredi, tu vas faire ce que tu vas faire. Samedi, je te donne. Dès lundi, tu commences. On va t'appeler pour te dire que ça ne va pas aller hospitaliser. 2, 3 jours après, on va te dire qu'elle est morte. C'est de ça qu'il est question actuellement. Parce que tu as un Dieu qui dit à moi la justice. Tu vas lui dire, je te confie son dossier. Dieu là va parce que tu as trop souffert. C'est quoi? On ne cherche à vivre. Vivre décemment. En Afrique, on garde des gens pour rien. Nous disons non. Donc, amis miens, d'ici d'ailleurs, je vous en prie que cela ne vous manque pas le Liban. Et ne l'oubliez pas, nous avons 2 dates très importantes. Le 14 décembre, je crois que c'est un lundi, le 14 décembre, le 7 c'était hier lundi. Donc le lundi prochain, c'est la nouvelle lune. Pour ceux qui auront leur ensemble de nouvelle lune, faites-le. C'est la dernière nouvelle lune de l'an 2020. Tu dis à Dieu, à la divine mère, lune, que depuis ton commencement, c'est-à-dire depuis le mois de janvier, tu étais dans l'ignorance. Mais comme c'est ton dernier repas que tu veux servir à l'humanité, à tes enfants, ne m'oublie pas, voici mon problème. Vous allez voir, c'est quoi? Vous allez voir, c'est quoi? La divine lune va opérer ce miracle-là. Gratuitement, mais il te faut avoir ton ensemble de pleine lune. Tu peux l'utiliser même pendant 50 ans. Tu utilises un peu, c'est juste quand il y a la pleine lune que tu utilises. Après ça, tu gardes pour le nouveau départ. Donc le 14 décembre, ça sera la nouvelle lune. Et c'est, je fais les directs, on dirait qu'il y en a qui n'écoutent pas. Hein. Je dis toujours qu'on ne lance pas une activité n'importe comment, n'importe quand. Tu vas rester, quelqu'un va te dire que papa, je lance mon activité, j'ouvre ma boutique le 12. Et quand je regarde le 12, ça veut dire actuellement la lune de quoi? La lune de quoi? Pour commencer, la nouvelle lune commence le 14. Donc quand nous serons le 12 là, nous serons dans la phase décroissante. Et c'est en ce moment, et ça tombe quoi un samedi? Parce que tu as vu que non. Elle m'a envoyé l'affiche pour dire, papa, j'ouvre ma boutique, je lance ma boutique le 12. Il dit, ma fille, qui te conseille même? Elle dit, ah papa, c'est un bon samedi. Tu dis, non, non, non. L'activité ne va pas, ça ne donnera jamais. Si tu veux, vas-y. On n'ouvre pas. On regarde toujours le ciel avant de faire n'importe quoi. Elle dit, papa, quelle date? J'ai dit, le 19 est bon. Parce que déjà, la lune sera croissante. Dès lundi, la lune est croissante. Maintenant, c'est quand la lune est décroissante que toi, tu vas ouvrir ta boutique. Ma fille, ce n'est pas une bonne chose. Quand on fait les directs, ben, vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas. L'autre aussi, elle a un rendez-vous important, elle me dit, papa, je m'en vais à un rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Je vous ai déjà tout donné. Ça, parfois, même, je me répète, la lavande est là, ça vous sert à quoi? Je vous ai toujours dit, la lavande, ça ne coûte pas 2 000 ni 1 000 francs. Tu peux porter ça sur toi, tu peux laver tes habits, tu prends ça comme soupline avec la lavande, tu mets ça, tu vas au rendez-vous.
Tu vas voir, on ne va pas te dire non. Maintenant, c'est après, je ne sais pas pourquoi je fais des directs. L'autre jour, j'ai dit, tu as quelque chose, tu vas aller revendiquer un bien, prends la verveine. Prends quelques feuilles de verveine, tu mets dans ta poche. Il y a un des miens qui est à Yaoundé, je lui ai envoyé ça. Il me demande encore, la verveine là, je vais faire quoi avec? Mais pourquoi tu m'as demandé? Si tu m'as demandé, tu sais pourquoi tu me demandes. Donc les gens sont souvent là à me faire bavarder. Et quand je ne réponds pas, on dit non, tu réponds. Parce que c'est vexant, quoi. Hein? C'est vexant. On doit. C'est-à-dire que. Je ne sais pas. Élevez-vous. Dites-vous que ce monsieur-là nous donne beaucoup. Je fais un direct. C'est là. Si tu peux, va écouter le direct. Tu refuses cet effort pour prendre encore pour me demander, papa, on va faire quoi? Alors que Verven, là, moi, je t'ai même envoyé ça cadeau. Ton rôle est maintenant d'utiliser. Tu vas encore me demander, comme j'ai eu là, j'ai fait comment avec. Mais tu me demandais ça en vertu de quoi? Dans quel contexte tu m'as eu? Tu as eu la nouvelle. C'est pas, je faisais un direct, j'ai expliqué. Avant d'aller réclamer de vos biens ou l'argent, prenez les frais de Verven, vous mettez sur vous, allez-y. Si le bien existe encore, on va vous le restituer. Si c'est l'argent, on va te rembourser ton argent. Maintenant, tu me demandes, j'ai fait quoi encore avec la verveine? Non, prends ça, tu prépares, tu manges. N'importe. Des questions vraiment qui me déchargent. Prends ça, tu mets ça, tu fais ben. Prends ça comme thé, tu bois. Vraiment, oh, je souffre. On accepte. Mais on est obligé de. J'ai dit, va, référence au direct. C'est tout, je ne réponds plus. Mais après, j'ai dit, mais tiens. C'est m'épuiser, c'est pas bien. C'est comme ça chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Ami bien d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le 20 décembre, le dimanche 20 décembre 2020, nous allons visiter un orphelinat. C'est le dernier geste d'amour. Je voudrais remercier toutes ces personnes des États-Unis, un peu partout, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de partout. 5 francs, il y en a qui ont envoyé 1000 francs, 2000, papa, c'est ce que j'ai. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Je ne peux pas citer seulement les noms, parce qu'il y en a qui le font dans la grande discrétion. Discrétion. Il y en a même en envoi pour les orphelins, envoie ma part. Je vous remercie. Hein, je vous remercie. Dis, papa, prends, tu mérites un vœu. Il y en a même qui me donnent 20 pas parce qu'ils suivent le direct. Et ils suivent le direct parce que, bon, j'ai fait rire. Bon, aujourd'hui, je suis sérieux. Hein? Non, non, c'est demain, on va rire. Demain, là, on va beaucoup rire. Aujourd'hui, je suis sérieux. Voilà, je suis sérieux. Voilà. Donc, ami bien disait d'ailleurs que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Sachez que tout pouvoir vous a été donné. Le but de nos directs, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Il n'y a plus quelque chose qui va vous manquer. C'est plus possible. Quand tu te connectes à Dieu, ta vie donne. Il y en a même qui peuvent même construire un orphelinat, qui peuvent même construire, qui peuvent même donner 1 million. Mais tant qu'ils n'ont pas encore la flamme spirituelle n'est pas encore allumée là, ils ne donneront pas. Ce n'est pas de leur faute. Mais ça n'empêche qu'ils soient dans les problèmes, qu'ils me sollicitent. Celui qui donne, donnera. Hein? Voilà, on jugera chacun de nous selon ses œuvres. Voilà, je ne suis pas celui-là qui est capable de vous juger. Mon rôle est de vous donner les clés. De vous donner les clés à mes mains d'ici d'ailleurs. Nous sommes dans une période assez délicate. C'est la fin de l'année. Soyez très prudents comme les serpents. Ne sortez point de chez vous sans avoir un élément. Comptez sur vos prières, c'est bon, mais il y a quelque chose pour barricader votre corps. Parce que c'est versé dehors comme ça. Pouah, 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 pouah. Ils sont à la recherche. Voilà, ils sont à la recherche. J'ai pu avoir l'ail sauvage. Je crois que demain, je vais faire un direct pour parler de l'ail sauvage. Ouais, ça ne peut plus être comme avant. Les choses vont changer. Et dans la nouvelle année 2021, on dira de vous que vous êtes des sorciers, que vous êtes ancrés dans des sectes. Parce que voilà, mon frère qui a acheté la voiture, c'est pas moins de 10 millions. Quelqu'un qui n'avait pas de vélo, qui est en aventure, qui s'essaye, il dit, papa, moi, mais je ne sais pas comment j'ai eu. Nya, nya. Il est dedans comme dans la propre.
Maintenant, il va mettre cigare. Donc, dans la semaine-là, on va bénir la voiture. On va parler au métal. Et voilà. Maintenant, il roule comme il veut. Accident, il n'y a pas accident. Il met comme il veut. S'il veut, il verrouille, il ne verrouille pas, on ne vole pas. Tous ceux qui ont des objets précieux, qui ne veulent pas que non, j'ai peur qu'on va voler. Dieu a tout créé. J'ai dit Dieu là. Non, il n'y a pas plus juste que lui. Dieu a tout créé. J'ai dit tout. Ah, j'ai une bouteille comme celle-ci, je ne veux pas qu'on vole. Il y a l'arbre de ça. Il y a la recette de ça. Tu fais, le bandit va voler, va venir tourner, tourner autour. Comme ça. Il ne voit plus. Parce que l'élémentaire de la plante va l'aveugler. Dieu a tout créé. C'est l'ignorance. C'est tout. L'ignorance. Quand le voile de l'ignorance se déchire, ta vie donne. Ça donne. Ça donne. Hein? Ceux-là qui ont fait leur recette de la cannelle, ils ont leur résultat. C'est tout. C'est les choses naturelles. Il n'y a pas de contrepartie. C'est l'autre côté là qu'on te dit, donne. Maintenant, il faut donner ton sang. Il faut donner ton enfant. Il faut donner ta maman. Non, non, non. Ça là, quand tu utilises les clous de girofle, tu as ton résultat. Comme ces temps-ci, les hommes qui ne donnent pas l'argent à leur femme. J'ai leur secret. Ah ouais. Ah ouais. Ça, il faut donner l'argent. C'est le moment pour les femmes là souffrent pour nous. Elle accouche, elle lave les habits, elle prépare. Au lit, tu ne la laisses pas dormir. Elle gère tout, elle lave la maison, elle gère même ta famille. Ta maman, elle doit s'occuper. Elle fait tout. L'enfant, elle porte, elle te gère, elle gère l'enfant. Elle donne du bois à l'enfant. Tout ça, là, quand il y a l'argent, tu vas aller boire dehors. Non, non, non. On va lire ensemble. Ouais, Dieu est bon. Bon, voilà. Donc, vous êtes tous au courant que le Liban ne vous manque point. Avant de dormir, brûle ça. Tu peux ajouter à ça le benjoin. Tu brûles. Tu crois que tu n'as rien fait, tu as fait quelque chose. Ça chasse. Ça chasse. Ça chasse tout ce qu'on appelle les mauvaises énergies. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne couvre jamais votre paix intérieure. Voilà. Je salue au passage toutes ces personnes de ces bonnes volontés qui voudront vraiment changer le cadre du direct. Ah, papa, ton cadre là, c'est pas joli, oh, c'est pas joli. Il faut faire comme le blogueur. Je ne suis pas blogueur. Moi, oh, j'ai mon cercle. Quand je vois les Nina, les Nelly, les Catherine, les Laurent, les Malise, Nanga, les Marina, tous ces gens-là, ils sont connectés, les J.E. Bandoul, sa sœur, les Blandine Spicette, les Micheline, toute la famille, les Daniel, les Matt, tous ces Charlotte, les Rose, tout ce monde-là, quand ils sont connectés, pour moi, c'est fini, hein? Moi, je me fatigue. Je ne veux pas 5 000 vues, 10 000 vues. Je ne veux pas passer dans la rue du voir Manon de la ville. Voir Manon de la ville. Tu vois, tout ça, là, c'est non. C'est non. Voir Manon de la ville. Voir Manon de la ville. Je ne peux même plus manger cadeau. Je ne peux plus pas. Moi, tu n'as même plus de vie. Non, non, on passe inaperçu. On passe inaperçu. Quand tu vois parfois, même, je porte la leçon. Non, je porte quelques culottes. Je sors, je suis dans la rue. Je marche. Mais sur moi, il y a au moins 500 000. C'est quand je suis comme ça de la ville que j'ai l'argent. Mais quand tu me vois avec Ben, il n'y a rien. Les gens n'aiment pas. Oh, lui là, c'est qui même. Voilà. Lui là même, c'est qui même. Bon, c'est ça. On ne veut pas être populaire. On veut être utile à l'humanité. Voilà. Il va être. Oh, le mois-ci, je suis gâté. Il y a des arrivées ou des arrivées. Des arrivées ou des arrivées. Des arrivées ou des arrivées. Voilà. Donc, je pense que le 12. Nous aurons déjà l'ensemble de pleine lune sous forme de titre. Voilà, parce que notre sœur, il y a une de nos sœurs qui va rentrer le 12, et je crois que elle va rentrer le 12, le 13. Je crois que tout sera prêt à Paris. Voilà, en France, voilà, les ingrédients seront déjà là-bas. Donc voilà, Marina s'occupera du reste. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de. Je parle au Liban, pas le Liban, au Liban. Bon, Liban là, tu mets au, ça fait au Liban. C'est un encens d'une puissance incroyable. Que ça ne vous manque point chez vous. Voilà. Le miel magique est là. Ah, le miel magique,
pour la langue et pour le waveform, il y en a aussi. Et je mets ça, utiliser ça, et dit, papa Manu, l'homme là voulait mourir, oh, il voulait mourir. Voilà, il y a aussi l'ail hein, pour les commerçants, l'ail pour le commerce, tout ça, là, il y en a, l'encens pour le commerce. Il y a une de mes soeurs qui, elle a, je ne sais pas où elle a salon de coiffure, elle a pris ça là, et dit, papa Manu, on dit maintenant que je suis entré dans un secteur où tellement les clientes sont seulement. Il dit, je n'ai jamais eu une recette comme ça. Il dit, ah, on va faire comment? C'est Dieu. C'est Dieu. Quand tu as la vérité, tes choses bougent, ça marche. Voilà, que Dieu vous bénisse. À demain, à la même heure, si Dieu le veut bien. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Demain, à la même heure, pour une autre information qui va changer votre vie. C'est le but de nos directs. Voilà, pour ceux. Abonnez-vous, hein, au fur et à mesure, abonnez-vous à la page. Hein, abonnez-vous à la page. Maman Florence, c'est elle. Ah, Maman Florence, que Dieu m'a bénisse, que Dieu te bénisse. La bénisse de qui est? Nandangwate ou Nandapode. Et Anastasie, c'est qui Anastasie? Voilà, Daniel Coz. Voilà. Ah, comme information, déjà la Suisse, il y a le miel pour le bas là, il y en a déjà. Je crois que c'est 4 bouteilles. Et le miel pour le parler là, pour la langue, il y en a une. Parce que c'était dans la précipitation. Voilà, ceux qui sont en Suisse, si vous êtes dans le besoin, voilà, on profite toutes des occasions pour envoyer. Donc, vous dites, ah, j'ai besoin de ça. On va vous donner le contact et vous allez régler. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. J'ai un ami qui est en Suisse, il me dit, quand il regarde le direct, il est avec ses amis, c'est les femmes suisses, européennes là. Et il rit comme ça, il dit, mais cet Africain-là, il parle bien, hein? Il nous fait rire. Ah, on va faire comment? Il y en a qui ne veulent même pas que je parle 2 heures de direct. Non, quand même. Ok. C'est beaucoup, hein? Ils nous parlent comme ça, là. Tu parles seulement, tu parles, tu parles. Tu sais, on paie les journalistes parce qu'ils parlent. Mais en janvier, on va voir. Je suis aussi un grand danseur. Hein. Donc, je vais faire un petit studio, si Dieu le permet. Voilà, quand je mets souvent la musique, si c'est le makossa, je danse un peu. Si c'est le kwassa-kwassa, kwassa-kwassa. Si c'est le zaïko-langa, on danse un peu. Si c'est le bikusi, on va danser. Si c'est la rumba, voilà. On va aussi danser, tout ça. Bon, voilà. Pour égayer nos soirées, parce que ce n'est pas vraiment facile. Hein. Ce sourire que nous vous donnons nous retourne aussi. Hein. Voilà. Nous retourne aussi. Si vous, ce que vous donnez, c'est ce que vous allez recevoir. C'est ça la vie. Si tu donnes la sagesse aux gens, si tu donnes le bonheur, si tu donnes, tu te préoccupes, n'est-ce pas, du bonheur des uns et des autres, la divine nature va créer les conditions pour que le même bonheur te retrouve. Donc, sans travailler, je reste, on m'envoie 5 000 francs. Papa, prends ça, tu vas manger un bon poulet avec. Parce que j'ai travaillé pour ça. J'ai donné le bonheur. Voilà. J'ai donné les témoignages. Je ne peux pas dire ça tout le temps. Mais. J'ai donné ma parole. Tu as ton sorcier, écris-moi. Papa, voici mon sorcier. Le crâne, il ne va pas voir le crâne de ça. Non, il ne va pas voir. Tu vas l'attacher même. Soit il se confesse. Pour voir le premier, là, janvier, il va se confesser. Papa Manu, tu vois vraiment tous tes problèmes que tu as vus, je suis à l'origine, pardon, tellement pas. Parce que c'est serré sur son cou. Qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Asie, au Japon. Il y a quoi? Il n'y a rien. Tu vas l'attacher. Il va se confesser. Maintenant, s'il se confesse, tu dis, tu vas encore faire. Parce qu'il y a toujours un jour pour le patron. 99 jours pour le voleur. 99 jours pour lui, le voleur de ton énergie là. Un jour, c'est pour toi. Voilà. Maintenant, il va rester quand même. Il sent que ça ne donne plus. Même pour s'élever, ça ne donne pas. Même envoyer un coup de poing, ça ne donne plus. Sortir la nuit, c'est fini. Il sent sa mort pour ça. Il va dire, hey, il faut que j'appelle l'enfant pour lui dire, pardon, détache-moi. Pardon, je confesse. C'est moi qui étais à l'origine. Tes avortements, là, c'était moi. Le mariage qui avait gâté, là, c'est moi. Ton enfant qui était mort, là, c'est moi. Tu dis, ah bon? Ah, ok. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu veux, tu laisses. Si tu veux, tu finis avec lui. Et la vie continue. C'est pas toi, hein? C'est le combat que Dieu va mener pour toi. Mais il faut que tu crées les conditions. Bon. Ah, bon. À demain à la même heure, vous savez, laissez-moi, parfois je dois même faire les directs, toutes ces semaines, laissez-moi faire mes directs de 34 minutes.
Parce que c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oh, tellement je vous aime. Voilà, que Dieu vous bénisse. À demain, si Dieu le veut bien.